Salut les amis, nous sommes samedi fin d'après-midi sur Nexans Star et Fenêtre en approche des Açores. Et si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que j'aurais réussi à avoir de la 4G au passage de São Miguel, Punta Delgada, aux Açores. Parce qu'aujourd'hui j'ai un peu abattu pour essayer d'aller chercher l'île, pour avoir de la 4G et pour avoir de la météo, bref, internet, la position de mes concurrents. Parce que ça fait 5 jours que je suis en aveugle sans météo, alors j'ai les fichiers d'il y a 5 jours, mais ça commence un peu à dater, et que je n'ai pas la position de mes concurrents. Voilà, donc, grosse excitation, j'espère que ça va marcher. Sinon, tout va bien à bord, ça mollit un peu, et la journée a été assez mouvementée. Et voilà, à fond pour arriver mercredi prochain, j'espère, si tout va bien, à Lorient. À bientôt, bon week-end. Salut les amis, 5 jours sans internet, une cure de désintoxication sans précédent pour moi. Et donc ça fait 5 jours que je n'ai ni météo, ni position de mes concurrents. Et donc là j'ai fait route 4G, c'est-à-dire stratégiquement je me rapproche de São Miguel pour essayer de vous envoyer des nouvelles et surtout pour récupérer une météo pour la fin du parcours. Donc là c'est le coucher de soleil de ce samedi soir à bord de Nexans Arrêt Fenêtre. Bon, ça n'a pas été facile tous les jours hein, de ne pas avoir de météo. Il y a des moments où c'était quand même grosse prise de tête. Donc là, je serais vraiment content de récupérer un petit fichier. Un petit check sur l'intérieur de la Batmobile. Vous ne trouvez pas que les fenêtres, là, ça fait un peu Batmobile? Donc là, mon lit, avec toujours un œil sur l'ordinateur. Et là, le coin cuisine, très élégant, avec sa poubelle et son petit jet boil. Le désalinisateur avec l'eau. Le ciré qui est prêt, et ma foi, pour une entre de célibataire, je trouve que je m'en sors pas mal. Bon, il y a un petit peu de bazar là sur bâbord, mais bon. Et alors, en exclusivité, je vous dévoile ma réparation de fortune, parce que le puits de dérive fissurait, et il y avait une importante petite entrée d'eau qui faisait des litres chaque jour à éponger. Et donc ça, c'est moi qui ai fait ce gros patch des familles. Je crois qu'on peut dire qu'il y a ceux qui ont de l'or dans les mains et il y a les autres. Et je crois que moi, je fais partie des autres.